micro. Est-ce que vous allez bien? Non, rien. Ah, c'est mieux. Ça fait combien de temps qu'on est déjà ensemble depuis la journée? 8 heures pour vivre et partager le 3e festival de la jeunesse. Donc on est sur la 3e édition Move de rue. Vive Move de rue ou pas? C'est la journée de la jeunesse. Donc jusqu'à maintenant, vous avez pu voir, découvrir les différentes passions et les talents différents qu'on a dans notre ville. Les jeunes vous ont montré ce qu'ils savaient faire. Rassurez-vous, la journée est loin d'être terminée. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Nous allons voir un groupe qui est connu localement, parce qu'on fait effectivement avec les acteurs locaux. On va voir Mado et les frères Pinard, avec quelque chose de nouveau. Ça veut dire qu'en fait, ils ont travaillé avec les jeunes du conservatoire sur les musiques actuelles. Et vous allez voir le beau cadeau qu'ils vont nous faire. Et ensuite, rendez-vous à 22h, quand la nuit tombe. Là, pareil, production locale. Je vous invite à découvrir le grand spectacle des cultures urbaines, avec pour thème, cette année, les cultures urbaines rencontrent les cultures du monde. Donc soyez présents à 22h, vous avez encore le temps d'appeler du monde, parce que c'est vraiment à ne pas louper. Donc nous verrons l'association AudioPix, qui nous a préparé, je crois, un show audiovisuel à la hauteur de Move de rue 2015, avec un spectacle où on va voir du mapping, avec une projection sur scène, avec de la danse orientale, de la danse africaine, du hip-hop, et bien d'autres surprises encore, pour voyager ensemble au-delà des horizons et des frontières. Et ensuite, quartier libre, la soirée va se prolonger tard, quartier libre les jeunes et les moins jeunes, avec un dance floor géant, animé avec là